Bonjour les filles, alors voilà, je vous explique. Je reviens vers vous parce que je suis allée à une grande rencontre, un grand vide-grenier avec mon mari exposé. Et je suis tombée sur une dame qui vendait que du scrap. Donc j'ai fait la razzia, je vous montre ça tout de suite. Alors d'abord, j'ai trouvé des planches de Scopal, Scopal, voilà, j'en ai trouvé deux, une pour moi et une pour ma maman. Et oui, ma maman s'est mise au scrap. Elle a décidé de faire un album. Donc, je lui ai acheté ça. J'ai pris, alors, les véritables petites merveilles, ce sont des feuilles plastifiées. Elles sont plastifiées et donc je sais pas si vous allez voir parce que elles sont transparentes. Donc il y a, je vais vous la mettre à l'endroit, ça sera plus pratique. Celle-là. Deux. J'en ai pris deux. Il y a ce modèle-là. Idem, j'en ai pris deux. Il y a ce très joli mauve. Celui-là, idem, j'en ai pris deux. Et il était en tuche là. Voilà. Alors je les ai payés 30 centimes la feuille, je crois. Et l'escarpale était à 7 euros dans la pièce. Donc après, j'ai acheté une perforatrice. Je vous la montre de plus près. Elle était à 2 euros. J'ai trouvé des alphabets dans le sens ainsi que on peut faire tout ça avec, voilà, sans mousse, hein, sans plastique. Après, j'ai trouvé, alors attendez, il faut que je sorte la grosse boîte. Donc, j'ai trouvé des petites attaches parisiennes roses. Voilà. Il y avait des petits strass dans les tons bleu turquoise. Voilà. Alors, j'ai trouvé des rouages pour faire un album vintage. Ensuite, j'ai trouvé des encres en spray chocolat chaud. Voilà. Et café crème. Voilà. Après, il y avait des distress. Alors, ça, c'était dans les 2 euros. Les petits strass, on m'en a fait cadeau. Et les petits rouages étaient à 1 euro. Voilà. J'ai trouvé des distress en encre. Voilà. Alors, il y a plein de paint. Donc, c'est de ce côté-là. Voilà. Celle-là. Un peu vintage, voilà, celle-là. Non, vraiment, celle-là, c'est pas vintage. C'est marron, voilà. Et une photo vintage. Voilà. Je les ai payés 1 euro pièce. Voilà. Il y avait un joli washi avec des petites flèches. Je vous montre. Voilà. J'ai payé ça 50 centimes. Je vous montre. C'est pas ça qui manque, vu que j'ai trouvé des véritables trouvailles. Voilà. Alors après, on passe au second sac. Et il est là. On coupe au gendarme. Alors, j'ai trouvé des tampons sur la mer en français. Voilà. C'était 2 ou 3 euros la planche. 2 euros, je crois. J'ai trouvé des plaques de découpe de rechange. Alors les deux plaques, je les ai payées 2 euros pour mettre dans ma bichoire parce que j'ai un problème, c'est que les miennes ont ondulé. Donc pour 2 euros, voilà, je ne me suis pas ruinée. Il y avait d'autres
Alors, il y avait des encres Memento. Voilà, je vous montre. Voilà. C'est pareil, je les ai payés 2 euros. J'essaie de vous trouver toutes les encres. Voilà, alors, il y avait celle-là. Embossée, c'était 1 euro. Voilà, il y avait la Versafine Majestic Blue. J'ai payé 2 euros le grand. Voilà. Il y avait la même en satiné raid. Enfin rouge, hein, je pense que c'est ça. Voilà. Il y avait toujours la marque Memento. Il y avait Sweet Plume. Plume, excusez-moi mon accent anglais. Moi, je n'ai jamais appris l'anglais à l'école. Voilà. Toujours 2 euros. Hop. J'ai trouvé de la Stazone. Voilà. Vibrant violet. Voilà. 2 euros aussi. Et de la Paris Dux. Toujours dans les 2 euros. Voilà. Ensuite. Alors, attendez, je le sors. Hop. Donc ensuite, il y avait des jolies petites fleurs comme ça que j'ai payé 50 centimes. Un peu bleu turquoise. Donc il y avait. J'enlève le prix parce que c'est pas le prix. Il y avait des cadres ou je sais pas, des boucles de métal, je sais pas, en métal. Voilà, j'ai payé ça 50 centimes. Pour faire mon album d'été, ça va être parfait. Donc ça je l'ai eu en cadeau. Il y avait plein d'attaches parisiennes comme ça que j'ai payé 1 euro. Alors je vous montre. Il y a noir, marron, gris, beige, vert un peu kaki, vert pomme, enfin voilà. Donc il y avait des très jolies fleurs comme ça. Alors j'ai payé ça, je suis une misère, hein, 50 centimes je crois. Donc, deux jolis papillons Strass. Voilà. Bon, c'est pareil, j'ai dû payer ça 1 euro. Alors, ensuite. Hop. Donc, des jolies attaches parisiennes. Enfin, je sais pas, des brats, comme vous voulez. Dans les tons un peu verts, mais brillants. C'est métallique. Voilà. Donc il y avait cela en forme de fleur. Je paye ça 50 centimes. Okay. Celui-là avec des petites mains pour faire un album bébé garçon, j'ai trouvé ça super chou. Voilà. Je le tourne. Des petites mains, des petits pieds. Alors j'ai trouvé des petites breloques en bateau, valise, il y a un train, il y a un avion. Enfin voilà, je vais vous montrer. Voilà. Pareil, j'ai payé ça 20 centimes, je crois. Voilà. Et j'ai trouvé une autre perforatrice. Comme ça. C'est pareil, j'ai dû la payer dans les 2 euros, pareil que l'autre. J'avais oublié et j'ai trouvé de la Versa Magique Pluma. Donc voilà. Ah, celle-là, je l'ai payé un peu plus cher. Elle devait être dans les 3, je crois. Voilà. Bon, voilà pour la brocante. Donc, nous sommes allés faire ça sur Limoges. C'était sur 2 jours. Donc, le samedi et le dimanche. Donc, le samedi, j'ai commencé à en acheter. Et le dimanche, j'ai recommencé parce que voilà. Et ah, j'ai oublié. Elle m'a donné en vrac parce qu'en fait, c'était des sachets, mais ils étaient cassés. Donc, elle m'a donné plein de petites fleurs. Alors, je vous montre. Il y a des petits papillons. Et il y a des petites fleurs. Il y a des papillons plus petits. Voilà.
J'en ai une quantité super industrielle et elle me les a donnés parce qu'ils étaient cassés. Enfin, l'emballage était cassé. Donc voilà, donc c'était très agréable. On a eu très très chaud. Je suis repartie avec un mal de tête épouvantable. On a bien travaillé, c'était super. On a été faire le soir, on a été faire une petite soirée moules frites entre amis. Et puis ben, le lendemain, rebelote à 3h du matin, donc pour faire la bourre. Donc voilà. Donc le samedi, le vendredi, je suis allée à Action. Donc après cette vidéo, vous avez le haut l'Action parce que je ne vais pas le faire tout d'un seul coup. Donc je reviens vers vous pour un petit haul action. Voilà les filles, donc il y aura certainement des choses pour vous, hein, parce que pour mon concours, donc, parce que je ne vais pas tout garder. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour le haul. Allez, scrapez bien.